On va revenir sur la recherche et sur les habitudes de vie, sur les règles de vie, puisque c'était aussi, bien sûr, un des grands thèmes de l'exposé d'Elizabeth Blackburn et de Elisa Eppel. Et nous allons le faire avec une personnalité qui est une personnalité connue dans le monde entier pour ses ouvrages. Il a vendu 10 millions d'exemplaires dans une vingtaine de pays et il est connu pour ses ouvrages de conseils, justement, d'hygiène de vie et de nutrition. Mais là, il va vous parler d'un sujet très étonnant que je vous laisse découvrir. Je vous demande d'accueillir Frédéric Salmann. D'accord. Vous êtes venu aujourd'hui librement. Moi, je vais vous convoquer pour revenir ici le samedi 28 septembre 2069. Mais attention, pas en peignoir soutenu par deux infirmières, comme vous êtes aujourd'hui. Je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Alors, pour vous le prouver, je vais vous présenter le ratopnu. Bon, je reconnais qu'il n'est pas très beau, on dirait un vieux pénis fripé. Et bien, cette petite souris, j'ai trouvé en Afrique de l'Est, en Somalie-Éthiopie, et d'ailleurs, j'en ai ramené à Paris. Et cette petite souris, elle vit 30 ans en bonne santé. Habituellement, une souris vit 2 ans, 3 ans maximum. 30 ans pour cette petite souris, c'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Le ratopnu ne fait jamais de cancer. On lui a implanté des tumeurs cancéreuses agressives, rien ne se passe. Une exposition aux cancérigènes chimiques, aucun cancer. Il résiste. Jamais de maladie cardiovasculaire, jamais de maladie neurodégénérative. Il ne vieillit pas. C'est comme nous, on passe 600 ans de notre vie à l'âge de 18 ans. La sexualité est intacte jusqu'au bout. Autrement dit, cette petite souris, elle a les clés de toutes les maladies qui nous feront mourir un jour. Mais surtout, le fait de ne pas vieillir fait qu'il y a échec à toutes ces maladies. Si on trouve, on fait un bond en avant extraordinaire en longévité, en bonne santé, de quoi ruiner définitivement toutes les caisses de retraite. La médecine est en train de faire des progrès extraordinaires. On passe de la science-fiction à la science. En immunothérapie, on arrive à traiter des cancers qu'on ne savait pas traiter avant. Certains mélanomes, des cancers de la peau avec des métastases, on les guérit par immunothérapie sans effet secondaire, alors qu'avant, en 8 mois, le sujet décédait. On apprend, grâce à une nouvelle technique CRISPR-Cas9, à bouger des gènes. En fait, on va faire des progrès absolument spectaculaires dans les années qui vont venir. Si on trouve cette clé en plus, ça sera formidable. Maintenant, toute la question, c'est comment, pour nous tous, tenir le temps que les secours arrivent. Alors, je vous expliquais comment faire, et j'avoue qu'on a beaucoup progressé grâce aux travaux extraordinaires d'Elizabeth Blackburn et des télomères, comme un marqueur de bien-être objectif, de bonne santé. Alors, comment faire? D'abord, il faut un cerveau en bon état. Tout à l'heure, on parlait des vacances. Mais est-ce que vous savez qu'en 3 semaines de vacances, on perd
20 points de quotient intellectuel. Les Allemands ont trouvé la solution. Ils ont trouvé, par une étude, la règle des 815. Vous décidez de partir en vacances et vous y pensez les 8 semaines qui précèdent. On s'envoie des hormones du bonheur. Une semaine de vacances arrive. Extraordinaire, qu'est-ce qu'on va bien. Mais un jour de plus ne sert à rien. Les 5 semaines au retour, formidable, on y pense encore et on se fait du bien. Au lieu de partir 3 semaines d'un coup, ou 5 semaines, partez sur ce rythme 8, 1, 5, vous ferez 5 semaines par an, mais vous irez 10 fois mieux. Avant, on pensait que le cerveau, on naissait vraiment en bon état, et petit à petit, on perdait des neurones, on devenait gâteux à la fin. Ben, ce n'est pas vrai du tout. Si on nous fait, nous tous aujourd'hui, un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau, et on décide de rentrer dans un cirque et on apprend à jongler pendant 3 mois. Dans 3 mois, quand on nous refera un IRM, une nouvelle zone du cerveau se sera formée. Autrement dit, au fil des années, on peut augmenter notre puissance cérébrale. La règle, c'est de faire des choses nouvelles. La routine détruit notre cerveau. N'allez pas tout le temps mieux en vacances. Découvrez des nouveaux amis, des nouvelles cuisines, des nouveaux pays. Apprenez un instrument de musique que vous ne connaissez pas, une langue étrangère inconnue. Vous augmenterez votre capacité cérébrale. Le cerveau, c'est important. Einstein le disait, la vie, c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe. C'est l'activité qui fonctionne. Par rapport à la terrible maladie d'Alzheimer, où on n'a aucun traitement aujourd'hui, on a quand même fait une découverte, Alzheimer chez l'homme est lié à une retraite précoce. Quand un homme prend sa retraite à 55 ans, tous les 5 ans, il aura 15% de risque d'Alzheimer en plus. Et quand on étudie une population d'hommes qui ont Alzheimer, le point commun, c'est une retraite précoce la plupart du temps. Donc en fait, il faut en permanence... Vous savez, la sécurité, c'est le plus grand des dangers en définitive. Il faut aller sur des territoires qu'on ne maîtrise pas bien, et c'est ça qui va nous permettre de maintenir un état cérébral en parfaite santé. Il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier. Pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Il existe une force du mental qui soigne. On s'est aperçu en particulier que quand les sujets sont soulagés, par exemple d'une douleur au dos, par un effet placebo, c'est-à-dire qu'on vous donne un comprimé de sucre, mais vous ne le savez pas, eh bien on a fait des prises de sang à ces personnes et on s'est aperçu qu'ils sécrètent des grosses quantités d'encéphaline, c'est comme de la morphine. Autrement dit, il y a une force du mental qui vous fait envoyer des molécules comme des médicaments pour vous soigner, mais à l'inverse, il y a une force du mental qui peut vous détruire en envoyant trop d'hormones du stress. Donc, entretenir son cerveau, c'est fondamental. L'exercice physique aussi est essentiel. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour sans vous arrêter, vous baissez de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. D'ailleurs, mes petits ratopnus, si vous venez les voir dans leur cage, ah ben, ils ne tiennent pas en cage. On les a reliés à des tuyaux en plexiglas et ils cavalent toute la journée. Les 20 premières minutes, quand vous faites de l'exercice, ne servent à pas grand-chose, on brûle du sucre. Au bout de la 20e minute, on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices comme les résines. Mais ces molécules n'ont une durée de vie que de 24 heures. Ce qui veut dire que c'est tous les jours que vous devez faire ça. Certains me disent « Oui, mais je fais du sport le week-end. » Je leur dis « Tant que vous y êtes, lavez-vous les dents que le week-end. » Ça sera pareil. C'est tous les jours. Ou alors on me dit « J'ai pas le temps. » Mais c'est des bobards.
Je peux vous dire que vous tous ici, je suis certain que vous passez au moins 30 minutes par jour, mail, SMS, coup de téléphone, ou à regarder un écran. Eh bien, achetez-vous un vélo d'appartement et faites-le dessus. Tout simplement. Vous gagnerez en espérance de vie de façon formidable et vous verrez à quel point vous vous sentez bien parce que quand on fait cet exercice tous les jours, on libère des endorphines, c'est des hormones du bonheur et on voit la vie en rose. La sexualité, ce n'est pas parce que je parle de sport, c'est aussi important. De nombreuses études ont montré que 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. Ça vaut la peine. Les travaux pratiques, ça sera pour ce soir. Et donc, cette sexualité fait partie également du lâcher-prise, de libérer le stress. Et ça permet de libérer ce que j'appelle la dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, en gros une protection, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et cette sexualité fait partie du bien-être aussi et de notre longévité. Le sommeil aussi est important. Bien dormir, c'est bien 7 à 8 heures, mais encore il faut que le sommeil soit de qualité. Alors, je n'aurai pas le temps de vous expliquer tous les trucs pour bien dormir, mais je dirais que premier point, ce qui est important par rapport au sommeil, c'est le noir complet dans la chambre. Une petite diode lumineuse de rien du tout perturbe le sommeil en qualité, en quantité. Si vous ne pouvez pas réussir à obtenir ce noir, mettez un masque d'avion et vous dormirez très bien. Il faut aussi de la fraîcheur, la chambre la plus fraîche possible. 18 degrés, c'est parfait. En dessous, c'est mieux. Et dormir nu, c'est encore mieux. Trop dormir, c'est pas bon. On s'est aperçu que les gens qui dorment plus de 9 heures multiplient par 4 le risque de mort subite. Et moins de 7 heures, c'est pas bien. Ça vous rend aussi plus vulnérable aux infections. Donc, déjà par le sommeil, bonne sexualité, un cerveau en bon état, de l'exercice physique, on se fait beaucoup de bien. Mais un des points cruciaux, c'est la nutrition. Et bien s'alimenter change complètement la donne. Le premier point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à passer 14 heures chaque jour où vous arrêtez de manger, vous buvez de l'eau, des tisanes, un peu de thé, même un petit peu de café sans sucre et sans édulcorant. Vous hydratez bien. Par exemple, vous arrêtez de dîner à 21h, vous déjeunez à 13h. Sauf si vous avez des problèmes d'hypoglycémie et que vous ne tenez pas, vous laissez tomber. En fait, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie donnant lieu, par exemple, à des cancers, augmente avec l'âge. On s'est aperçu que quand on pratique ce jeûne séquentiel, on renforce son ADN et il y a moins d'erreurs de copie. Le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme, moins d'inflammation. On lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps pour réactiver une mémoire biologique ancienne. Aujourd'hui, on ne meurt pas de carence, on ne meurt pas de faim, on meurt beaucoup d'excès. Digérer un repas, je peux vous dire, c'est pas rien. C'est faire travailler une dizaine d'organes, comme le foie, les reins, des hormones, des enzymes, un vrai bazar. Il faut laisser au corps le temps de souffler, de se réparer. Cette usine ne peut pas fonctionner comme ça sans arrêt. C'est franchement pas possible. Il faut lever le pied. Vous savez, c'est comme si dans une vie, on avait un nombre limité de repas à prendre.
Faites l'essai et écoutez avec bon sens comment vous vous sentez. Parfois, les gens se disent « Ah, je suis fatigué, il faut que je mange quelque chose. » Ils vont manger, gras, sucré, et ils vont avoir un gros coup de pompe parce que digérer, ça prend de l'énergie. En fait, ils n'ont pas faim, ils sont déshydratés. Souvent, vous ressentez un coup de fatigue parce que vous manquez d'eau. Commencez par prendre 2 grands verres d'eau et une demi-heure plus tard, regardez comment vous vous sentez. On est dans un monde où la faim apparaît comme calamiteuse. « Oh là, j'ai faim, c'est pas possible, vite, il faut que je mange. » C'est dans un monde où, si vous voulez, où j'ai mal, vite, un antalgique, j'arrive pas à dormir, un somnifère, je suis triste, un antidépresseur. Immédiateté, absurde. En fait, on a découvert que quand on a faim, on sécrète de la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Et bien, cette même gréline, elle stimule l'autophagie. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie? C'est une sorte de cure détox express, de purification de l'intérieur, où on élimine nos cellules mal formées, malades ou mortes. Et bien, cette faim qui fait du bien stimule cette gréline et en plus, elle stimule l'hormone de croissance qui est anti-vieillissement. Donc quand vous avez faim, cultivez cette faim pendant 20 minutes, là vous faites une cure détox qui m'intéresse. Il faut la cultiver et surtout, passez à table si vous avez faim. Écoutez avec bon sens les signaux de votre corps. Si votre corps n'en a pas besoin, bien sûr, hydratez-vous en prenant de l'eau, mais pourquoi manger? Pourquoi pousser l'organisme alors qu'il n'en a pas besoin? Ayez du bon sens dans cette alimentation. Maintenant, au niveau qualitatif, ce que vous mangez est important en quantité, en qualité. 30% de calories en moins, ben c'est 20% de vie en plus. C'est considérable. Donc, essayez très simplement de limiter un petit peu les apports. Il y a 2 éléments qu'il faut freiner. Le sucre, le sel. Le sucre, c'est important. Vous savez, à l'hôpital, quand je fais un PET scan pour rechercher des cellules cancéreuses dans le corps humain, juste avant, je fais une intraveineuse de sucre. Si jamais il y a des cellules cancéreuses, elles adorent le sucre, elles rappliquent tout de suite. Le sucre augmente les risques cardiovasculaires, diabète et cancer. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. En plus, le sucre accélère le vieillissement et donne des rides. Freinez. Faites l'essai, par exemple, de ne pas mettre de sucre dans votre café ou votre thé. Au début, vous allez dire « Ah, c'est pas bon ». 3 semaines plus tard, si vous tenez le coup, quand quelqu'un vous mettra du sucre dans votre café ou votre thé, vous ne supporterez plus du tout. Vous aurez baissé votre seuil sucré au niveau du cerveau. Et même le petit carré de chocolat qui était au lait, vous le voudrez de plus en plus noir. Il faut simplement, vous savez, 95% des régimes pour maigrir échouent lamentablement. Alors que les gens, moi je vois quand quelqu'un à l'hôpital me dit « Donnez-moi quelque chose pour maigrir », je lui dis « Je ne comprends pas le sens de votre question, vous savez tout ce qui fait grossir et tout ce qui fait maigrir. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de médicaments. Pourquoi me posez-vous cette question ?» Pour le sel, faites pareil. Le sel augmente les risques d'hypertension artérielle et de cancer de l'estomac. Habituez-vous à arrêter le sel au maximum. Vous baisserez votre seuil salé comme le seuil sucré dans le cerveau. Vous ne serez plus du tout au régime. Vous mangerez ce qui vous fait plaisir, spontanément, sans régime. Il y a des moyens simples pour reprendre la main. Beaucoup d'aliments sont très addictogènes et fait que vous mangez vite. Plus on mange vite, plus on mange le nez près de l'assiette, plus on mange trop. J'aime bien regarder au restaurant les gens manger. Ils mangent à toute vitesse, ils se rapprochent, un désastre. Alors ce soir, quand vous arriverez à la moitié de votre plat, posez vos couverts. Vous attendez
5 vraies minutes. Pourquoi ? Il y a deux façons de s'arrêter de manger. Soit on mange beaucoup et on s'arrête quand les récepteurs, les barorécepteurs dans l'estomac sont tendus, on n'en peut plus, on a trop mangé. Ou on laisse le message activer le centre de la satiété dans le cerveau et on s'arrête. Vous avez fait l'expérience au restaurant, quand on attend trop longtemps un plat qui ne vient pas, et bien quand le dessert arrive, on n'en veut plus. Vous avez stimulé votre centre de la satiété. C'est très important de reprendre la main parce que votre alimentation conditionne votre espérance de vie en bonne santé. La quantité est importante. Il y a des aliments que vous mangez pour vous et d'autres contre vous. Il y a des aliments formidables comme l'avocat. Quand vous prenez de l'avocat, ça a un effet anti-inflammatoire. Si on prend un taudis calorique comme un burger, bacon, frites, prenez de l'avocat avec, il y a 40% d'inflammation digestive en moins. Ça marche. À l'inverse, vous pouvez. Il faut aussi avoir des tas de petits réflexes en alimentation. 3 cm de croûte brûlée sur une pizza, une quiche lorraine, un poisson, une viande, c'est comme fumer 200 cigarettes d'un coup. Et vous avez vu sur les télomères ce que donne le tabac. Ne laissez jamais un citron dans votre soda parce que c'est bourré de pesticides et vous buvez un verre de pesticides. Il y a plein de petits réflexes à avoir. En ce moment, on est en train de découvrir l'effet, par exemple, des plastiques sur l'alimentation. Dans une bouteille d'eau, on trouve 32 perturbateurs endocriniens. Plus récemment, les sachets de thé en plastique, on s'est aperçu qu'ils diffusent du plastique dans l'eau chaude. Et on s'intéresse beaucoup aujourd'hui au lien entre la montée en puissance de cancer et les habitudes environnementales, ce qu'on appelle l'exposome. On ne sait pas grand-chose aujourd'hui parce que nous sommes exposés à des substances polluantes, chimiques. À chaque fois, on nous dit que la réglementation nous dit qu'on est dans les normes, mais les effets cocktails ne sont pas du tout calculés. Et donc, cet exposome est très important parce qu'il montre clairement l'impact, justement, de notre environnement sur notre santé, sur lequel on peut agir. En fait, on a énormément de moyens pour agir sur notre santé, mais, vous savez, la génétique pèse très peu. Mais ce qu'on fait, ça compte. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et on peut agir tous les jours sur notre alimentation, en la régulant. D'ailleurs, Bouddha ne faisait qu'un seul repas par jour. Il avait compris. Et pour faire un lien avec le râteau pneu et ce jeûne séquentiel, quand vous faites un jeûne séquentiel, on s'est aperçu que la température du corps diminue. Le râteau pneu a une température de 32 degrés corporelle. Alors, on a fait une expérience sur des souris. On leur a grillé un petit bout de l'hypothalamus. Elles ont perdu 1,5 degré. Ce n'est pas beaucoup. Elles ont vécu 20% de vie en plus. Et plus récemment, on a découvert que les centenaires ont un point commun. Ils ont une température un peu plus basse depuis leur naissance que le reste de la population. Donc, visiblement, quand on ne peut pas baisser notre température en se mettant dans une pièce froide parce qu'on a un thermostat qui remonte notre température corporelle. Par contre, un des effets du jeûne séquentiel, c'est qu'on baisse notre température. Et en la baissant, on augmente justement cette longévité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les animaux qui ont une température plus basse, comme les tortues, les crocodiles, qui se promènent autour aussi de 28-32 degrés, ne font jamais de cancer et vivent à peu près centenaires. Donc, quelque part, on a des pistes formidables. Et vous savez ce que je souhaite, c'est que, comme on a tous rendez-vous, comme on est aujourd'hui le 28 septembre 2069, je voudrais que dès demain matin, vous mettiez au moins à faire 30 minutes d'exercice. Parce que déjà, vous aviez un super bonus pour vous retrouver ici dans 50 ans dans le même état.
Donc maintenant, c'est à vous de jouer et je vous attends ici dans 50 ans. Je vous remercie. Merci. Un grand merci au docteur Frédéric Salmann. Donc, je crois que c'était une très très belle illustration de ce que Elisa Eppel et Elisabeth Blackburn nous ont dit, c'est-à-dire que nous pouvons agir sur nos télomères, sur notre santé, qu'il n'y a pas de fatalité, et même de fatalité génétique. Nous pouvons justement, même dans tous les cas, avoir cette capacité d'action. Et je crois que Frédéric l'a très très bien démontré avec ses nombreux exemples. Un grand merci. Donc, il est auteur de nombreux livres. Je dirais simplement, prenez votre santé en main ou votre meilleur médecin, c'est vous. Voilà. Un grand merci à Frédéric Salmann.